Ok les refs, aujourd'hui je suis avec Sora. Salut les gars. Et il va devoir choisir la bonne porte. Mec, j'ai l'impression. C'est chaud, hein. Ça fait peur. J'ai l'impression. Mec, il y a une porte bleue, une porte rouge. On va devoir choisir entre deux portes qui mènent à deux pièces complètement différentes. Une porte chance ou une porte malheur. Il y en a une qui sera bonne, une mauvaise. Mais la couleur ne veut rien dire. Parce que tu peux prendre la bleue, elle est horrible. Okay. Ou la rouge. Attends, là, t'es en train de te vendre, là. La bleue, c'est la rouge qui me reste. La première, je te laisse choisir, t'es l'invité. Donc, soit tu décides comme tu veux, ou soit la chance. Écoute, quand tu m'as parlé du concept, j'ai réfléchi avec moi-même. Ok. Je me suis dit, je prends la rouge dans tous les cas, donc je prends la rouge. Ah, vas-y, on se met devant. T'es prêt? On est en même temps? Ouais. 1, 2. Oh, tu casses. Faut le gonfler? Oh, tu casses la tête, gros, j'en ai pour une demi-heure. J'ai un tout petit ballon, mec, c'est rapide. Mec, je suis asthmatique. Sérieux? Non. Bah du coup, y a pas d'excuse. Attends, mais déjà, j'essaye. Oh, alors, mais mec, c'est lent. Je fais l'effort de le gonfler énorme, mec. Je suis en train de cracher à l'intérieur. Putain. Tu vas devenir aussi rouge que le ballon. J'en veux plus. Cette pièce-là, c'est soit tu gonfles un ballon, tu passes un bon moment, soit tu gonfles un ballon et tu tombes dans les pommes, en fait. Ah, on aurait dû mettre des pommes ici, ça aurait été un meilleur jeu de mots. Il tombe dans les pommes et je mange une pomme. Faut lui casser la gueule, lui, de temps en temps. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner, les refs, parce que les prochaines portes, elles sont folles. C'est le maximum que je peux faire, là, pour l'instant. Ah, tu peux faire plus? Je dois faire plus? Bah, si tu peux, oui, pour essayer de le gonfler. Parce qu'il y a un petit problème, le mien, il est plus grand que le tien. Alors que le tien est censé être 10 fois plus grand. C'est jamais un problème de taille, en fait. C'est plutôt comment on s'en sert. Il est censé faire 80 cm. Le ballon? Gros, il y a un trou dans mon ballon. Mais non, c'est une tache. Oh, ça me tue. Non, regarde. Il l'a fait exprès, il a saboté le ballon. Toi, tu as saboté mon ballon. C'est là. Il a saboté le ballon. T'as saboté le ballon? J'ai vu le clin d'œil. Hein. Il a saboté. Bon bah. Il a saboté mon ballon. Bon bah, on peut pas. On passe à la prochaine porte. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon. Rien que je m'isole. Bon, deuxième porte. Comment tu veux qu'on la choisisse? Épuisé. Pierre fait ses autres, tu choisis en premier. C'est celui qui gagne, choisis en premier. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu saoules. Je choisis la bleue. Tant mieux, c'est ce que je veux. Je reprends sur la rouge du coup, deuxième fois. Ouais. Attends, viens, regarde d'abord la tienne, après on regarde la mienne. Vas-y. C'est quoi, je regarde avant, tout seul. Ok. Vas-y, ouvre. Mec, il y a Weldon derrière la porte. Non. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attends, mais... Attends, y'a un problème. Oh, Raph, je te connais, t'es pas magicien, toi? Si. Ça fait chaud. Tu l'as montré à la caméra, à tes amis. C'est bon? Ok, tiens, je te laisse reposer. Tu la regardes bien? Ouais. Tiens, regarde, je mélange un peu les cartes et tu me dis stop quand tu veux que j'arrête de mélanger. Ok. Stop. Stop. Ouais. Très important, elle est pas au-dessus et elle est pas en dessous. Ok. Tu me donnes combien de temps pour la retrouver dans mon dos? Allez, 10 secondes. Je crois que je l'ai déjà... Ça fout que ce soit ta carte. Ouais. Tiens, dis-moi. Non. Valet de carreau. On n'est pas du tout bon. Non. C'était quoi ta carte? C'était 5 de carreau. 5 de carreau, ouais. Regarde bien. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur... Attends, je peux enlever le chapeau? Non, il y a un tour de magie. J'en étais sûr. Oh putain, il a carré. Je veux vraiment. Non? Non. Une carte? C'était quoi ta carte? 5 de carreau. Bon. Ouh, il est chaud! Ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, vous avez parlé de Weshden. Ouais. Ah oui, d'accord. Je suis dans le clip Weshden Coco. C'est faux. C'est totalement vrai. C'est vrai. Tu veux que je te montre vite? Vraiment? Ouais, vraiment. Voilà. Je jure! Magicien! Wow! Bravo, mec, bravo! Il m'a fait le meilleur tour de magie impossible de faire mieux. Mec, il vient de cracher ma carte. Il vient de me dire qu'il avait prévu que j'allais dire Weshden et qu'il avait tourné le clip Coco avec Weshden et qu'il était à l'intérieur, c'est vrai. Ah, c'est de la magie. Pas ouf, quand même, à côté. Monsieur, on va passer au vrai tour de magie. Ah, c'était que l'entrée, ça? Ça, c'était que l'entrée. Wow, attends, laisse-moi me préparer. C'est bon? Je suis prêt. Ok. Tiens, regarde, prends une carte. Ok. Prends une autre carte, tu la regardes. Ok. C'est bon, tu la montres à la caméra. Tu peux la remettre. Cette fois, tu me donnes combien de temps pour la retrouver? Tu m'avais dit 10 secondes avant. Ouais, on fait combien? On fait... Merde, t'as même pas besoin de me dire parce qu'il y a une carte qui saute. Dis-moi, on est bon, 8 de trèfle. C'est la tienne. La mienne. Ouais, la tienne quand même, regarde bien. Regarde, 8 de trèfle. Tu peux juste la prendre comme ça. Tu secoues et ça se transforme en 4 de trèfle, tu vois. C'est what the fuck. Regarde, tu prends le 4 de trèfle. Regarde bien la caméra. 8 de trèfle. Ah ouais, il est chaud. Monsieur, je vais vous demander parmi toutes ces cartes de n'en choisir qu'une seule. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le montrer à la caméra, je ne regarde pas. Vous regardez pas, hein? Je ne regarde pas.
Ok, c'est bon. Je vous laisse replacer la carte juste ici, je ne regarde pas et je vous laisse mélanger le paquet. Je mélange. Autant que vous voulez, monsieur. Je ne regarde pas. Autant de temps que je veux. Je mélange, mélange. Allez-y. C'est un peu long, hein? Ouais, mais je mélange bien. Ok, ok. C'est bon. C'est quoi votre nom d'artiste? Raph Magie. Pareil, je vais pas m'inspirer sur ça. Ça pue vraiment la merde. Ça pue vraiment la merde. Sous n'importe quelle carte, monsieur. N'importe laquelle? N'importe laquelle. C'est votre carte? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là du tout! C'est quoi? Je te laisse une deuxième tentative. Ok. Je pense qu'à ce moment-là, c'est pas le stress, là. Là, c'est juste qu'il est nul. Il pue la merde, je crois. C'était... Non, c'est à peu de choses. C'est noir, déjà. On est dans le bon truc, alors... mais c'est pas tout à fait ça. Pareil, non. Après, j'ai un tour de magie avec mes bruits. Non, vas-y, continue, continue. Non. Pas celle-là. Non. 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 Ah, let's go! Putain, je suis... Mais gros, c'est fou. On peut passer à un vrai tour, deux secondes? Ouais, carrément. Tu vois les cartes à travers l'écran, on est d'accord? Tiens, regarde, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Stop. Tu regardes la carte? Ouais. Dis-moi une carte autre que ta carte. 4 de cœur. 4 de cœur. Regarde bien, je vais prendre le 4 de cœur. C'était quoi ta carte? C'était le 3 de pique. Regarde bien. 3 de pique. Let's go. Ok, monsieur, je vous laisse regarder ce qu'il y a sous mon chapeau. T'es touché un peu là. Tu m'as touché la bite là. C'est ça, c'est un chavite le... Monsieur, je vous laisse vous munir de ce magnifique cache œil. Monsieur. Ouais. Touchez mon chapeau. Il est juste ici, tout seul, le rebord de mon chapeau, monsieur. Qu'est-ce que vous sentez? Un chapeau. Pensez maintenant à quelque chose qui vous ferait envie. Ce que vous aimez le plus apparaîtra dans ce chapeau. Ok. Il passera de votre pensée et se matérialisera dans le chapeau. Ok. Je vous laisse plonger la main dans le chapeau. Waouh, mais c'est quoi, gros? Et saisira pleinement votre destin. Mec, c'est mort, je vais... Mais... Si tu es obligé. Ah, ça me dégoûte, c'est quoi? Mec, c'est pas prêt. Ouais, des champignons de Paris dans le chapeau. Ça pue la mort. Le cœur est rouge, en ouvrant la porte, j'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon, rien que je m'isole. Statistiquement, ouais. C'est pas possible qu'il y ait un troisième truc mauvais, c'est pas possible. Ok. C'est pas possible, donc celui qui tombe sur la boule rouge, il est bien. C'est quoi, je prends, t'as choisi au hasard tout à l'heure, je choisis au hasard aussi, ok? Vas-y. Regarde pas, si je... normalement, si mes calculs sont bons, la porte rouge c'est la bonne. Ok. Ou alors... Ou alors j'ai pas de chute à cette. J'ai aucune idée. C'est un peu long. Ouais, c'est bleu. C'est bleu. Putain. Du coup je choisis, c'est ça? Du coup je prends la porte bleue ou pas? Moi j'étais parti sur. Je prends ça, je choisis la porte bleue. Je sais pas ce qu'il y a derrière, j'en sais rien, je sais mec, absolument ça rien. Ça peut pas être trois fois moins la mauvaise. On peut pas avoir autant de malchance, mec, c'est pas possible en vrai. Ah tu sais quoi, on commence par la tienne ou on commence par la mienne? On ouvre en même temps là. En même temps? Les gars, je vous explique, c'est un morpion, 1v1, celui qui perd, il a un gage. Ok, bah vas-y, bah je commence, chacun notre tour. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille. Je réfléchis, attends, tu sais quoi, je réfléchis à une strat. Je vais faire une autre strat, tu sais quoi. Bah mec, je suis pas con. Putain, on va faire pareil, c'est pas possible. Pourquoi t'as fait ça? De quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Oh putain le con. Mon ref. Putain de la matée, je me suis dit en plus oh, le con il va oublier. C'est quoi le gage? Non il y a pas de gage juste, enfin morpion c'était cool. Non non mon ref, il avait parlé de gage au début, regarde, attention regarde, hop. Non non. Hop. Avec Célia on t'a concocté une petite potion à boire. Sora si tu veux tu peux venir dans la porte rouge. Et regardez ça. T'avais soif non? Ouais. Tu veux que je te dise ce qu'il y a à l'intérieur ou... Non dis pas, dis pas. Attends. C'est quoi? Attends, je me sentir déjà. Mais j'ai un problème, j'ai des hauteurs. Attends, dis-moi dans l'oreille, c'est quoi? Ok les gars, pour le gage de cette porte, petite potion. Mais avant, pour les ingrédients, un petit jus d'ananas, de la cannelle, du gingembre. Mec, t'as pris du tabasco. Et on a aussi ça. Mec, on va mélanger tout ça, hein. Ah, ça me dégoûte. Un petit peu du tabasco. Les petits jus d'ananas. On va mettre aussi un peu de gingembre. On rajoute un petit peu de tabasco. On est bon. T'inquiète mon ref, ça vient se passer. Mais j'ai un problème, moi j'ai des hauts de cœur facilement. Non, mais t'inquiète, mais quand j'étais petit, j'allais chez un dentiste pour enfants. Ah bah c'est super intéressant, mais c'est... t'inquiète, ça n'arrivera pas. Mais j'avais 17 ans. C'est bon, t'as quel âge? 24. C'est un peu trop quand même, mon ref. Hein. Je sais pas quand y aller, faites-moi un décomptage. J'ai 3, 2, 1. Maintenant!
Oh mec, la couleur. Oh mec, c'est horrible. Ah mec, regarde la couleur de ce que t'as. Regarde la couleur de ce que t'as vu. Oh la couleur mec. Tu vois ou pas? C'est pas par soutien, j'essaye aussi. Ouais. Wow. Bah non, mais sur le connu. Putain. Malade, lui. Ouais. J'ai pas perdu, moi j'ai gagné. Ça va, j'ai perdu deux fois, c'est bon. Prochaine pas. Saoulé. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois j'ai fait le bon. Rien que je m'isole. C'était pas cette porte là. Ok, on va faire un truc pour celle-ci. Je vais prendre une bleue, une rouge. Et tu as mis de quelle main hein? Attends, je secoue. Ok, j'ai bien mis la bleue à droite et la rouge à gauche. C'est quoi, c'est pas compliqué? Ouais. La rouge est là, et celle que je vais prendre. C'est impossible. 1, 2. Pourquoi j'ai des lunettes? C'est quoi les pailles? Il est long en ce moment. Arrête, jure, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les... Arrête, c'est quoi les... Arrête, tu me merdes. Faut bien rester. Ça va? Faut que tu te mettes là-bas. Faut que tu te mettes contre ce mur là-bas. Les frérots, je rentre chez moi après, hein. Mec, je dois rentrer chez moi, hein. Y'a plus rien. Oh mec, ça fait mal de fou. Oh la barre. Oh putain. J'aurais préféré la physique chimie. J'ai des bleus, 100%. Toi t'es mort. Mais je te montre, je te montre. Ça a touché. Hyper mal, ça a touché. Ça, je suis un très bon viseur, ok? T'es ma frère. La tasse rouge de baiser, mec. Vas-y, regarde ce que tu m'as fait. Mais mec, ça m'a fait trop mal. Mais moi j'avais gagné, moi. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois j'ai fait le bon. Rien que je m'isole. C'est pas compliqué, je vais jeter tout. Tu dois en rattraper une. 1, 2. C'est la rouge. On commence par qui? Tu sais quoi, on ouvre un peu la mienne, on en trouve la mienne et après ouais. On regarde la tienne. Oh, qu'est-ce que j'ai? Oh, ça a l'air incroyable ce que t'as. Attends. Oh non. Ah, viens, regarde la mienne. Viens, regarde la mienne. Mais mec, c'est incroyable! La voiture d'artiste, mec! C'est une dingue! Mais attends, jure! Attends, mais du coup, t'as quoi? Je vais essayer. C'est encore des champions de Paris, c'est sûr! T'es con, pourquoi il y a une clé de voiture? Mec, je crois que t'as gagné un tour de AMG! Mais jure! Mais mec, jure vraiment? Let's go, mon gars! Qu'est-ce qui. Un bâtard! Let's go mon gars, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un tour avec ma voiture moi. Salut loser. Raphaël, tu veux monter dans ma voiture? Ok, j'ai pas le permis hein. C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. J'ai pas le code non plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, bah ça va alors. Attends, t'as vraiment pas le permis? J'ai pas le permis ni le code. C'est vrai? Je te jure. J'ai pas le code ni le permis. Mais c'est quoi, c'est toi qui conduis et je suis passager avec toi. C'est bien. Putain, mais en fait, en choisissant la mauvaise, j'ai quand même choisi la bonne. C'est bien. Incroyable. On s'entend bien en fait tous les deux. Ça me fait plaisir. Bon les gars, merci énormément à My Luxury Cars, car sans eux, on n'aurait pas eu d'AMG, même pas de voiture en fait, tout court. On aurait eu ma Fiat Punto, qui est très nulle et moche. Les gars, regardez-moi cette voiture, elle est incroyable. Si jamais vous voulez vous aussi louer une voiture, franchement, allez chez eux. Ils ont celle-ci du coup, la A45S, qui est incroyable. Ils ont l'RS3, l'RS3 vous connaissez, j'adore ça. Et une autre que je ne connais pas trop le nom, les connaisseurs vous savez, voilà, c'est incroyable. Merci encore à eux et allez vous abonner à leur compte Instagram, ils méritent parce que sans eux, on n'aurait pas eu ça dans la vidéo et franchement, c'est banger de fou. Les gars, je les ai appelés hier en leur disant, est-ce que vous pouvez me prêter une AMG pour demain s'il vous plaît? Ils m'ont dit oui, allez chez eux les refs, c'est les meilleurs. Tu sais que je déteste les sensations fortes mec. Mais mec, je me suis pris la gamme dans le nez. Qu'est-ce que... Sensations fortes, mec, ça me tue. Ah non, ça me tue, oh là là là. Un rond-point à 200, ouais, bah oui. Bah, sur des idées. La voiture va finir sur le pic en haut là. Je pensais que c'était pas un gage, hein, à la base. C'est censé être un truc cool, non? En vrai, c'était incroyable. Oh, je tremble, je tiens plus debout. J'en peux plus. C'est incroyable, merci mec, c'était trop bien. Merci à toi. Bon, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Sora, abonnez-vous à lui au cas où si vous connaissez pas sa chaîne. Yes. Et puis, bah, la prochaine porte, dites dans les commentaires, on fait avec qui. C'est long, hein, la chute. Attention, hein.